وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. L'imam Ibn Hajar est passé à côté d'un juif qui était un vendeur d'huile. Un vendeur d'huile, il est tout plein de tâches. Et quand il est arrivé là, donc le juif, il a vu l'imam Ibn Hajar bien habillé, sur une belle monture. Il lui a dit, vous, votre prophète, il a dit, ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Il dit, regarde comment tu es toi. Et moi, regarde dans quel état je suis. Et l'imam Ibn Hajar, il a dit, moi, le bien dans lequel je suis, c'est une prison par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà. Et toi, la difficulté dans laquelle tu es, c'est un paradis par rapport à ce qui t'attend dans le-delà. Et cette personne, comme il a été rapporté, Allah Ta'ala lui a ouvert le cœur pour la guider, il a accepté l'islam.